Bonjour les Joseph, nous allons continuer avec nos leçons qui vont nous permettre de préparer nos examens de fin d'année. Voilà, aujourd'hui en fraction, nous allons parler de la soustraction des fractions. Prenons le premier cas, si les fractions ont le même dénominateur. Si les fractions ont le même dénominateur, on garde le même dénominateur et on fait la soustraction des numérateurs. Nous allons prendre 5 moins 1, reste 4 sur 9. Ici, nous avons un autre cas. Si 6 moins 2 tiers, nous voyons un nombre entier moins une fraction. Donc ici, je peux ajouter le dénominateur 1. Et là, je cherche le PPCM de 3 et 1, c'est 3. 3 divisé par 1, ça fait 3. 3 multiplié par 6, ça fait 18. Moins 3 divisé par 3, 1. 1 multiplié par 2, 2. Donc nous avons 18 moins 2, 16 sur 3. Ici, nous avons une expression fractionnaire. Nous devons arriver à trouver la dernière réponse. Donc nous aurons 16 divisé par 3. Ça fait 5. 15 reste 1. 5 représente le nombre d'unités. 5 unités. 1 tiers. Voilà. Nous passons au troisième exercice. Ici, nous avons la soustraction de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Nous allons chercher leur PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple. Quel est le plus petit commun des multiples, le plus petit commun multiple de 24 et 4? Nous avons déjà étudié les PPCM, mais on peut aussi, on fait 24 et 4. Nous avons 2, 2, 12, 2, 1, 6, 2, 3, 3. Ici, nous avons 2 exposants. 3 multiplié par 3. 2 exposants 3 signifie 2 fois 2. Fois 2, ça fait 8. Fois 3, ça fait 24. PPCM, c'est 24. 24 divisé par 24, ça fait 1. 1 multiplié par 18, 18. Moins 24 divisé par 4, 6. 6 multiplié par 3, ça fait 18. Donc ici nous avons 18 moins 18, ça fait 0 sur 24. 0 divisé par 24, ça fait 0. Nous prenons les cas suivants. La soustraction de deux nombres fractionnaires. Nous allons prendre 13 moins 7. Reste 6. Et là-bas nous cherchons le PPCM de 4 et 5, ça fait 20. 20 divisé par 4, 5. 5 fois 3, 15. Moins 20 divisé par 4, 20 divisé par 5, 4. 4 fois 4, ça fait 16. Alors ici, il faut tirer attention. Nous avons remarqué que 15 est inférieur à 16. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons emprunter une unité. Alors, la méthode la plus pratique, c'est quoi? Je peux emprunter l'unité à partir d'ici. Je reste avec 5 unités. J'additionne seulement 20 plus 15. Ça fait 35. Ça, c'est la méthode la plus pratique. Moins 16. Le tout sur 20. Ça fait 5 unités. Ici, nous avons 20. Nous faisons 35 moins 16. J'emprunte, je reste avec 2. 15. J'ai 9. Et ici, j'ai combien? J'ai 1. Ça fait 5 unités. 19 sur... Ça fait 5 unités. 19 20e. Voilà, chers amis. Il y a des exercices que vous allez continuer à faire dans vos cahiers d'activité.
Veillez au respect des gestes barrières. Que Dieu vous bénisse.